Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris beautés de ces deux derniers mois, mars et avril 2022. Alors j'avais très envie de glisser à peu près tous les produits que j'ai cités dans ma dernière vidéo routine de soins que je vous mets sur l'écran. Mais je vais essayer de pas trop me répéter, donc partie du principe que tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo et que j'ai référencé comme génial, trop bien, j'adore, pourrait également faire partie de cette vidéo favori. Mais voilà, je vais essayer d'éviter de me répéter. On va commencer par les favoris maquillage. J'ai ressorti une palette que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle n'existe plus dans cette déclinaison exacte. Il s'agit de la Brightening CC Palette dans la déclinaison Sunny Flash de la marque By Terry. C'est une très très belle palette. Ces petits produits qui sont donc des hybrides entre poudre, bronzer, blush en fonction de la teinte qu'on choisit. Existe en version individuelle, mais je crois qu'il y avait quelques teintes qui étaient vraiment inédites dans ce boîtier. Ça c'est l'édition de l'été, c'est pas l'été dernier c'est sûr, est-ce que c'est celui d'avant ou celui d'encore avant, je ne sais plus. Ils la ressortent quand même assez régulièrement parce qu'elle a un franc succès. Je crois qu'elle n'existe plus exactement avec cette déclinaison de teintes, mais si vous la croisez, vous pouvez foncer, que ce soit pour cette déclinaison ou pour une autre, hein, prenez bien ce qui vous convient le mieux. J'aime tout dans cette palette, cette petite poudre pour un peu illuminer le contour de l'œil, ces deux blushs qui sont absolument ravissants que vous pouvez venir mixer avec cette petite poudre justement pour rajouter encore un peu de lumière. Le bronzer a une teinte parfaite, le seul truc c'est qu'il est petit donc ça peut être un peu compliqué de venir patouiller son pinceau dedans, mais ce sont de très belles poudres, très fines, subtiles, élégantes, ça sent un petit peu la rose. Alors c'est la signature de la marque donc je ne peux pas dire que c'est un problème parce que je le savais en l'achetant, mais voilà, l'odeur part immédiatement après application, mais voilà, sachez que ça sent la rose. Alors ça sent pas la rose grand-mère, ça sent un peu la rose fraîche, c'est quand même agréable. Moi c'est pas une odeur que j'adore, mais je dois admettre que c'est une odeur qui est bien formulée. Bref, très très belle palette que je suis contente d'avoir ressortie. Là je la ressors pour les beaux jours, mais en plein hiver elle convient tout aussi bien. Alors ensuite, toujours côté maquillage, un produit que j'allais dire que je découvre, mais en fait non, ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que je le connais, mais ça fait surtout un moment qu'il est sorti. On va dire que je me mets à m'en servir maintenant. Il s'agit du sérum huile hybride Future Dew de la marque Glossier. Alors c'est un produit qui, comme son nom l'indique, est un peu hybride, à mi-chemin entre le soin et le maquillage. Pour moi c'est davantage un produit de maquillage qu'un produit de soin, parce que je lui trouve pas, ou je lui prête pas en tout cas de vertu côté soin du visage. C'est en effet une texture sérum, marqué sérum huile, mais je crois que c'est assez bien décrit. Donc j'ai envie de dire peau mixte, peau grasse, si vous avez peur de briller, c'est vraiment pas un produit pour vous, mais peau normale à sèche, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Moi je l'applique après ma crème de jour et avant mon fond de teint, mon correcteur. En ce moment j'utilise pas de fond de teint, donc avant mon correcteur. Ça vient donner une lumière qui vient comme de l'intérieur de la peau sans avoir vraiment des paillettes. C'est une texture qui est hyper fluide, vous pouvez en mettre sur tout le visage. Moi c'est souvent ce que je fais. Quoique non, j'en mets pas forcément sur le front par exemple, mais j'en mets vraiment sur l'intégralité des joues, sur le nez. Et le menton, je me rends pas compte, mais je dois en mettre un petit peu aussi. Bon bref, c'est très très beau parce que il n'y a pas ce côté nacré, pailleté qu'on peut retrouver dans certains produits où je trouve que ça peut avoir un rendu un peu grossier. Alors ça, les gens font bien ce qu'ils veulent, mais sur moi, je trouve que c'est voilà, des enlumineurs ou des bases de teint très 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 nacrées. Si vous êtes dans un rayon de soleil, vous ressemblez vraiment à une boule à facettes. Là on est vraiment sur de la subtilité, comme très souvent chez Glossier j'ai envie de dire. C'est pas vraiment une marque qui propose des produits monstrueusement pailletés. Alors pigmentés oui, mais modulables on va dire. Très très bon produit, alors c'est hyper économique. Hein. Moi il me faut une marque, mettez deux pompes sur l'ensemble de votre visage. Moi je crois que je mets une demi-pompe sur l'intégralité de mon visage. À la fin de votre routine de soins, voilà. Et ils expliquent, ajoutez-en davantage sur les bombées du visage pour encore plus d'éclat. En effet, une fois que vous êtes complètement maquillée, vous pouvez venir en rajouter. C'est pas quelque chose que je fais, mais en effet c'est tout à fait possible et la formule s'y prête bien. Mais je vais en avoir pour un paquet de temps, ce que 30 ml avant que je le finisse, je crois que j'y suis pas. Bref, très beau produit, subtil, très joli. Ensuite, les favoris côté soins de visage. Bah, toujours chez Glossier, je vous en ai parlé assez rapidement dans la vidéo routine de soins, mais je voulais y revenir. Il s'agit du Pro Retinol Universel Complexe de Nuit Rénovateur. Alors, je vous ai expliqué dans cette fameuse vidéo, moi j'ai tenté le rétinol il y a quelques mois en arrière avec un produit de chez Paula's Choice qui est très réputé et je m'y suis probablement pas pris comme il fallait. J'avais bien respecté la distance entre deux applications. Le rétinol c'est un actif qui est excellent pour l'exfoliation de la peau, pour éradiquer les rides, pour redonner de l'éclat, mais c'est un ingrédient qui est très irritant, donc il faut faire extrêmement attention, se protéger du soleil, ne pas en appliquer trop souvent, et puis il y a vraiment une phase où la peau va venir
s'adapter entre guillemets au rétinol. Donc c'est pas tous les soirs jusqu'à ce qu'on voit des résultats. On espace les utilisations au début, c'est un petit poids à répartir sur l'intégralité du visage, je pense que j'en ai appliqué plus que ça les premières fois. Bref, j'ai pas bien démarré avec le rétinol, donc j'ai abandonné ça, et puis j'ai reçu, je crois pas que je l'ai acheté, je crois que je l'ai reçu. Pour Glossier, c'est toujours un peu compliqué de savoir si on m'envoie les produits ou si je les achète, parce que j'en achète beaucoup moi-même, mais celui-là je crois que je l'avais reçu. Donc je sais pas pourquoi je me suis dit, en le recevant, tiens, je vais tenter le rétinol de chez Glossier. Alors, à nouveau, je dis pas que le Paula's Choice c'était pas bien, il se trouve que celui-ci, du coup, je l'ai appliqué différemment, j'étais plus consciente des réactions que je pouvais avoir sur la peau, j'avais fait toute une sorte de dermite autour de la bouche, c'était assez catastrophique. Donc j'ai commencé à m'en servir par-dessus mes soins, c'est-à-dire que je mettais mon sérum, ma crème de nuit, ça s'applique la nuit, hein, jamais la journée, et je mettais donc liquide en un petit poids, ça tombe bien, la pompe est hyper bien faite, une pompe c'est un petit poids. J'en mettais sur les contours du visage quasi exclusivement et par-dessus mes soins. Donc pour avoir un mode de pénétration quand même un peu moins violent. Au départ j'ai commencé avec une application deux fois par semaine. Donc voilà, une fois, trois jours, puis après quatre jours j'en remettais encore une couche. Puis après j'ai commencé à rapprocher tous les deux ou trois jours. Et j'ai commencé progressivement à me rapprocher du centre de visage en évitant toujours cette zone autour de la bouche où j'avais eu des soucis. Je n'ai eu aucun problème d'irritation, d'allergie, d'inconfort avec ce produit. Et j'ai fini par m'en servir sur peau nue. J'espère que je dis pas de bêtises. Je parle au passé parce qu'en fait, donc, si vous avez suivi cette fameuse vidéo routine de soins, j'ai une tache pigmentaire qu'on voit quand même encore un peu à travers mon maquillage, que j'ai fait enlever chez le dermato, il va falloir que j'y retourne parce qu'elle n'est pas complètement partie. Bref, j'ai fait vraiment gaffe avec les produits que j'ai utilisés pendant cette période de cicatrisation. Donc là, le rétinol, je ne l'ai pas encore repris, je vais m'y remettre là dans les jours qui viennent, mais je ne l'ai pas encore repris, ça fait bien 3 semaines, un mois que j'ai arrêté. Tout ça pour dire que le rétinol, attention, on s'y prend pas comme moi la première fois, c'est-à-dire un peu à l'aveuglette. J'avais quelques notions, voilà, de ne pas l'appliquer tous les soirs, de faire assez attention, mais j'en ai appliqué trop et sur peau nue. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo routine de soins, je vous renvoie vers des vidéos de gens qui s'y connaissent. Vraiment, je vous mettrai quelques références sous la vidéo. Moi, je suis pas du tout experte dans le domaine de la beauté, du soin, etc. Je vous parle des choses que j'aime, mais j'ai pas de connaissances techniques. Voilà, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. Donc, je vous renvoie vraiment vers des gens qui s'y connaissent. Et puis, si vous avez des questions plus précises, parlez-en à un dermato, parce qu'un dermato pourra vous conseiller aussi. En tout cas, le rétinol, voilà, c'est un très très bon actif qui est très réputé, qui a fait ses preuves parce que j'ai bientôt 34 ans et qu'il faut que je m'y mette et puis que je vois bien que ma peau est plus ridée, c'est un grand mot. Bref, que le rétinol devrait logiquement s'installer dans ma routine de soins à partir de maintenant. On va continuer avec les favoris côté soins du corps. J'ai découvert les produits de la marque Uni, U-N-Y, c'est une marque française qui se spécialise dans le soin des poils. Et pas forcément dans le domaine de l'éradication des poils, c'est aussi une marque qui, enfin, j'aime beaucoup les valeurs, l'approche qu'ils ont, qui vous aide à les éradiquer de la meilleure façon qui soit si vous souhaitez les éradiquer, et qui vous aide à vivre avec, si vous avez envie de vivre avec. Donc déjà je trouve que la philosophie est chouette, c'est une marque qui n'est pas du tout genrée homme-femme, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Et ils ont sorti le sérum SOS Poil Incarné, qui fonctionne pour le visage et pour le corps. Alors, ils n'ont rien inventé chez Uni, la composition de ce produit que j'ai complètement oublié mais que je vais essayer de vous retrouver tout de suite. Donc, huile d'arbre à thé, bisabolol, huile de pépins de raisin et l'huile de tamanou et du bacuchiol, qui est donc une alternative au rétinol qui atténue les taches. Je pense que ce mélange, on peut le trouver, bah déjà on peut le fabriquer soi-même, on peut peut-être le trouver dans d'autres marques, mais il faut avouer que c'est un produit qui est très bien pensé parce que tous les ingrédients sont réunis au bon endroit. Je vous mettrai la fiche produit hein, comme d'habitude sous la vidéo si vous voulez vous renseigner. Donc les poils incarnés, c'est un problème si on s'épile, c'est un problème si on s'épile pas aussi, donc ça convient à tout le monde et je dois admettre que ce sérum est très chouette. Moi j'ai quelques petits poils incarnés sur les jambes et je peux en avoir aussi sous les aisselles, et alors sous les aisselles ça me fait vraiment des boules, des reliefs, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est pas hyper agréable. Je suis épilée au laser sous les aisselles, malgré tout j'ai une dizaine de poils sous chaque bras qui refusent d'être épilés au laser parce qu'ils sont un peu blonds, et donc le sérum est bien efficace sur ces petites zones là. C'est facile à utiliser, voilà, je voulais vous parler de la marque parce que je trouve que leur approche est top. J'ai reçu d'autres produits que j'ai pas encore utilisés, mais c'est un chouette petit produit, c'est un petit flacon, mais alors vraiment il faut appliquer une à deux gouttes du sérum sur la zone concernée. En effet, c'est hyper hyper économique. Et voilà, une très très belle découverte. Toujours dans les soins corps, je voulais vous parler du déodorant fraîcheur de la marque La Rosée. Je vous ai fait un comparatif complet
Entre ce déodorant et celui de chez Respire, pourquoi je comparais les deux marques? Parce que ce sont deux marques françaises sorties récemment, c'est-à-dire il y a quelques années, qui proposent des soins respectueux de la planète, du corps, avec des compositions naturelles. Voilà, pour moi, c'est deux marques qui sont comparables, on va dire. Et ce déodorant est incroyable, je dois l'admettre. Je vous fais un petit spoiler du coup, mais donc dans l'article, pour moi, c'est celui-ci qui gagne par rapport au déodorant de chez Respire, qui est très très bien aussi, hein, je dois l'admettre, mais pour moi, c'est celui-ci qui est vraiment le gagnant. Donc je vous invite à consulter l'article où je vous ai tout expliqué, mais en gros, déodorant au probiotique qui, moi, en termes de facilité d'utilisation, de texture, de confort, me fait vraiment penser à un déodorant conventionnel, donc avec des sels d'aluminium et tout le tralala. Se trouve facilement, je trouve que le prix est correct, il y a juste l'emballage, voilà, que je préférais chez Respire parce que c'était 100% carton, c'est le seul défaut que je peux lui trouver, mais un très très grand coup de cœur. Je ne sais pas encore si je vais arrêter les déos de chez Wild que je commande par correspondance, voilà, qui arrive sous forme de recharge, ou si je vais rester avec ce déodorant de chez La Rosée, je sais pas encore, je suis franchement très satisfaite des deux. Donc je vais peut-être voir avec l'été qui arrive comment celui-ci se comporte, parce que le Wild pour le coup est validé de mon côté depuis l'été dernier. Mais celui-ci, je vais peut-être lui donner ses chances cet été. Ensuite, les favoris cheveux. J'ai reçu le dernier shampoing de chez Énergie Fruits, le shampoing douceur, pêche blanche et eau de riz, 0% de sulfate, pour cheveux fins et délicats. Énergie Fruits, c'est une marque que j'ai découverte il y a 2 ans, je crois bien. C'est une marque que j'aime beaucoup et il y a quelque chose que je leur reprochais souvent, essentiellement côté packaging, c'est que les packagings étaient très genrés, un peu fifi, avec... des jeunes femmes avec des fleurs, etc. Et je remarque que ce petit rebranding, le logo n'a pas changé, mais ce visage un peu plus sobre me plaît beaucoup. Alors, cheveux fins et délicats, ça n'est pas mon cas. J'ai pas délicat, je sais pas, mais j'ai pas les cheveux fins, j'ai les cheveux épais. Mais moi, j'aime beaucoup les shampoings pour cheveux fins parce que ce sont des shampoings légers qui vont pas du tout alourdir les cheveux, qui vont redonner du volume. Alors, j'ai pas besoin de volume, mais ce côté léger au niveau des cheveux, moi, m'intéresse bien. Je me souviens pas avoir eu un gros flop dans cette marque. Tous les produits que j'ai testés m'ont convenu globalement et celui-ci est vraiment top. Donc Énergie Fruits, c'est fabriqué en France, c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est vegan. Donc c'est un produit qui est formulé sans sulfate, c'est certifié cosmétique bio, charte Cosme Bio. Bref, ce shampoing il a tout bon, ça se trouve en grande distribution et je persiste à dire que cette marque est géniale et je vous invite à la tester. Les produits sont bien formulés, sont très chouettes à utiliser, c'est pas cher. Franchement ça vaut le détour et très contente d'avoir testé celui-ci. Et au niveau de l'odeur, je me souviens plus. Pêche blanche, ça doit sentir bon. Oui, ça sent... Oh, ça y est. La dernière fois que je m'en suis servie, je me suis dit ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser aux... Vous voyez les colliers de bonbons? Les petits bonbons orange sur les colliers de bonbons? Exactement cette odeur là. Il est assez liquide comme beaucoup de shampoings de cette marque là. Donc ça peut être un peu difficile à doser éventuellement, c'est le seul défaut que je peux lui trouver. Mais on s'y fait assez vite. Toujours côté cheveux, alors ce produit je l'ai acheté en Italie parce que je faisais mes courses en Italie. Donc j'habite juste à côté de l'Italie, hein, ne croyez pas que je fasse de la route pour aller faire mes courses. Donc je pense qu'il ne s'appelle pas exactement comme ça et je ne sais pas si le flacon est exactement comme ça. Mais il s'agit du... je vais le faire en français, je pense l'après-shampoing Hair Food dans la gamme banane de la marque Garnier Fructis. Alors je connaissais déjà le masque de cette gamme à la banane qui est incroyable, pareil qui a l'odeur des bonbons à la banane, enfin qui est un vrai délice. Et j'ai eu envie de tester l'après-shampoing. En effet moins riche que le masque, en effet moins nourrissant que le masque, mais très correct en termes d'hydratation, démêle très très bien les cheveux, donne un rendu très très souple aux cheveux. Je l'ai utilisé hier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous montre quand même le flacon, même si c'est tout écrit en italien, mais je pense que ça ressemble à peu près à ça. 350 ml, c'est hyper hyper économique. Alors, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Garnier Fructis, j'ai un peu plus envie de me méfier. Bon, si c'est écrit, c'est que c'est vrai, mais je suis pas certaine qu'il y ait que des bonnes choses à l'intérieur. À vrai dire, j'en sais pas grand chose. Mais comme je vous le dis souvent, avec toute la chimie que j'applique sur mes cheveux, en termes de coloration, décoloration, je peux pas être trop regardante sur la composition des produits. Je vous le dis à titre informatif, mais voilà, je sais pas si c'est absolument parfait en termes de compo. Puis j'ai pas fait de petits tests sur Yuka. Ensuite, je voulais vous parler du soin numéro 9 de chez Olaplex, qui est le petit dernier de chez Olaplex, le sérum nourrissant pour cheveux. Riche en antioxydants, rend les cheveux plus faciles à coiffer, lisse et protège pour tout type de cheveux. Donc c'est le Bone Protector. Vous savez que j'adore les produits de chez Olaplex. Vraiment, c'est une marque qui a révolutionné ma routine capillaire ces
trois dernières années. C'est une marque qui a vraiment métamorphosé mes cheveux, qui commençaient à être sérieusement sensibilisés par toutes les décolorations, comme je vous le dis à chaque fois. Ça, c'est la couleur à laquelle j'aboutis, et ça, c'est ma couleur de base. Donc vous voyez qu'il y a quand même un bon delta. J'ai essayé de regarder le mode d'emploi parce que chaque fois je me demande si j'applique bien le produit, donc on va voir ça tout de suite. Appliquer une petite quantité de produit des racines vers les pointes sur cheveux humides. Après les avoir séchés avec une serviette, ajouter plus de produit au besoin, laisser sécher à l'air pour une texture douce et sécher au sèche-cheveux pour une finition lisse. Donc moi j'applique pas de la racine au point, je l'applique sur les longueurs. C'est vraiment un sérum, je vais pas vous le montrer parce qu'après je vais rien avoir à en faire. Mais c'est vraiment un sérum très aqueux, on dirait un sérum un peu visage à l'acide hyaluronique. Pourquoi je vous en parle? Parce que si vraiment vous êtes très réfractaire vis-à-vis de ces produits sans rinçage qui peuvent avoir un côté un peu lourd, un peu gras, ça c'est vraiment un produit qui peut vous convenir. Donc du coup c'est pas le produit le plus nourrissant, c'est pas le produit le plus riche, mais c'est un bon intermédiaire si justement vous voulez éviter ces textures un peu riches mais que vous avez quand même envie de donner un soin sans rinçage à vos cheveux. En bref, c'est une belle addition à ce qui existe déjà chez Olaplex, ça fait pas doublon avec tout ce qui existe déjà. Moi c'est pas forcément mon produit préféré. J'adore vraiment le... Je vais jamais réussir à me souvenir parce qu'en plus c'est que des numéros. Le petit flacon que je mixe avec l'huile. J'ai déjà dû vous en parler mais bref, je n'arrive plus à me souvenir du numéro. Il y a une bande un peu marron aussi dessus que je trouve plus intéressant parce que plus riche, etc. Mais je dois admettre que ça alourdit un peu plus les cheveux que celui-ci qui est vraiment un peu évanescent quoi. Vous l'appliquez sur les longueurs, ça pénètre vite, ça cartonne pas, ça a pas d'effet gras. En effet, il conseille de le mettre depuis les racines. Je n'ai pas essayé, mais au vu de la texture, ça doit même pas poser de problème. Super produit et surtout une référence qui vient vraiment compléter ce qui existe déjà chez Olaplex, donc rien à dire. Et ce produit dont je vous parle parfois sur Instagram, et je crois que je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo, c'est une erreur, c'est le sérum apaisant fraîcheur cuir chevelu irrité Astera Fresh de chez René Furterer. Ça fait très longtemps que j'utilise ce produit. Je suis en train de me rendre compte que ça fait longtemps que j'ai ce flacon, mais en le regardant par transparence, il ne reste plus grand chose. Alors, ce produit est top à utiliser quand vraiment vous avez beaucoup de démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Ce qui m'est arrivé récemment, j'ai vraiment eu un cuir chevelu gras en plus et super irrité. J'ai eu, je pense, un petit dérèglement hormonal qui n'a pas dû aider. La sortie du livre, voilà, qui a dû rajouter un peu de, un peu de stress dans la machine. Bon, bref. Ce produit, il va pas venir traiter la cause, il va venir traiter le symptôme. Le symptôme, c'est vraiment le cuir chevelu qui démange. Donc, c'est pas la réponse à tous les maux, mais vraiment, quand ça gratte, ça, c'est génial. Vous avez un petit embout précision, comme ça. Vous venez faire des raies. Alors, moi, j'en fais pas 50, mais j'en fais 1, 2, 3, 4, 5 à peu près. Parce que moi, c'est principalement autour de la... Comme si j'avais une couronne, vous voyez. Bah, c'est là que ça gratte. Ça gratte pas trop derrière. Et vous l'appliquez... Alors, je sais pas comment il conseille, à nouveau... Appliquer raie par raie, une à deux fois par semaine sur l'ensemble du cuir chevelu propre, sec ou humide. J'ai essayé sur cheveux secs, ça cartonne quand même un peu. Moi je me lave les cheveux, j'essore dans une serviette et sur cheveux mouillés, humides, je fais les raies, j'applique. Et c'est vrai que je dois admettre qu'une fois que les cheveux sont secs, à moins d'en avoir vraiment mis trop, ça ne se remarque pas. Ça s'absorbe tout de suite dans le cuir chevelu, dans la peau. Et vous ne vous retrouvez pas avec les cheveux ni gras, ni collants, ni rien du tout. Et ça a ce côté frais immédiat, dans le sens où il doit y avoir de la menthe poivrée, quelque chose dedans. Et vraiment ça a ce côté glaçon, donc déjà c'est hyper agréable. Et il y a quand même un effet après prolongé dans les jours qui viennent, où ça va vraiment venir atténuer ces fortes sensations de démangeaison. Donc à nouveau, ça traite pas la cause du problème. Là il va falloir des soins, je pense, un peu plus costauds. Mais quand vraiment ça gratouille trop, c'est un très très bon produit. Ça se trouve en... Moi je l'achète à la parapharmacie juste à côté de chez moi. Je ne me souviens plus du prix, mais c'est très économique. Hein. 75 ml, et ça fait quand même un long moment que je l'ai. Bon là, il va falloir que j'en rachète parce que je suis par là. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Donc je vous le conseille. Et le dernier favori, c'est un favori pour les enfants. Ce sont les sels de bain moussants et colorés de la marque Nailmatic. J'adore, donc c'est la gamme Nailmatic Kids. J'adore cette marque Nailmatic. Alors ils font des vernis pour adultes aussi. Je ne me souviens pas en avoir utilisé, j'ai pas de souvenir, mais ils ont une gamme pour enfants qui est géniale. Ils font des vernis oh, j'aurais dû vous les amener, j'ai pas pensé. Bon bref, des vernis qui s'éliminent à l'eau savonneuse chaude, donc il n'y a rien de toxique à l'intérieur. Des petits stickers pour les ongles, ils font des boules de bain, des sels de bain crépitants. J'aurais pu tout vous amener parce que vraiment j'adore ce que cette marque fait. Et ça c'est chouette, donc les sels de bain moussants et colorés, c'est un gros pot de 250 grammes, ça se présente sous la forme d'une salière. Au niveau du dosage, bah vous faites un peu comme ça dans l'eau du bain, je sais pas, une ou deux cuillères à soupe, je sais pas même pas ce qu'ils disent en termes de quantité.
Saupoudrer sous l'eau du robinet. Voilà, bah, ils expliquent même pas combien il faut en mettre. Ça crée une mousse qui est assez fine. La mousse dure pas très longtemps. En revanche, ça colore l'eau. Alors celui-ci en rose, Inès là aussi en bleu. Ça fait vraiment un bain hyper coloré, les enfants adorent et c'est un principe que je trouve chouette. Vous pouvez acheter la marque, j'imagine, sur le site internet. Et moi j'achète ça chez Au Pays des Minis, qui est une boutique à Annecy que j'aime beaucoup. Et Aurélie, la gérante de la boutique, revend quasiment toutes les références de la marque. Ça rend le moment du bain vraiment, vraiment ludique. Les petits sels crépitants là sont très sympas aussi. Alors ce sont des sachets unidose où il y a peut-être deux utilisations dedans, donc ça c'est pas forcément le plus rentable. Idem pour les bombes de bain effervescentes, pareil, ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est. Ça, on va dire que c'est l'option la plus rentable, entre guillemets, parmi tout ce que la marque propose. Et puis voilà, à vérifier, mais donc rose, bleu, puis il doit bien y avoir d'autres couleurs. C'est très sympa. Alors, pas tous les jours, parce que même si je pense que c'est bien composé, puis qu'ils ont fait assez attention... Ah, ils marquent 5 bains. Oh, moi je fais beaucoup plus que 5 bains avec ça. Bref, donc pas tous les jours, parce que, bon voilà, c'est coloré, c'est pas forcément conseillé, mais on va dire une fois toutes les semaines, ou une fois toutes les deux semaines. Ça fait rire les enfants et c'est tout ce qu'on veut. Et on va finir par un flop. Alors un flop parce que vraiment vous m'en parlez depuis longtemps. J'espère que ça fonctionne. Je dis ça genre je veux pas dire ah il y a des gens qui m'ont dit que c'était bien, en fait c'est nul. Je ne critique personne, je ne blâme personne non plus. Hein. Vraiment tous les goûts sont dans la nature et puis la cosmétique c'est comme ça. Il y a des trucs qui fonctionnent chez certaines personnes et pas chez d'autres. Le shampoing traitant à la propolis antipelliculaire de la marque Balofurin, qui est une marque qui fait un peu... qui place un peu le travail de la ruche un peu au cœur de ses compositions. Donc c'est une marque qui est basée dans les Pyrénées, qui est française, certifiée bio. Alors c'est une marque un peu à l'ancienne, hein, ça fait un peu flacon d'apothicaire, etc. Nos abeilles veillent sur votre bien-être. Donc un shampoing à la propolis qui est apaisant, antiparasitaire, qui est à utiliser en cure 2 à 3 fois par semaine pendant 2 semaines, puis après une fois par mois en entretien, on applique sur cheveux mouillés, on laisse agir 5 minutes, etc. Ce shampoing de 125 ml m'a coûté, bon j'habite à Annecy, hein, les prix ici c'est délirant, mais m'a coûté, je voudrais pas dire de bêtises, mais pas loin de 25 €. Un truc comme ça. Donc du coup, vous m'avez vachement donné envie de le tester, donc je me suis dit, ouh super, ça se trouve ça va bien marcher. 2, ça m'a coûté hyper cher, donc je me suis dit, ah vraiment j'espère que ça va marcher. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors c'est pas pire, c'est pas pire, manquerait plus que ça, mais ça ne marche pas du tout. Et puis je l'ai essayé... comme ils disent, en cure plusieurs fois, vous voyez, j'en suis ici. Il faut pas beaucoup de produits, c'est assez concentré, ça se dilue bien, ça mousse bien. Mais je l'ai utilisé peut-être 4-5 fois de suite, vraiment en cure, comme ils le conseillent, je n'ai absolument aucun effet. Donc la déception est à la hauteur des ambitions que j'avais pour ce produit, on va dire. Donc vraiment, je dis pas que ce produit est mauvais, vous avez été très nombreuses à me le conseiller, donc je me permets de vous le conseiller aussi, parce que voilà, vous semblez être ravie de ce produit. Je l'ai utilisé un peu dans cette phase où j'avais le cuir chevelu qui gratouillait sévèrement. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Enfin, ça va même nettement mieux. Mais voilà, dommage. Il y a d'autres produits dans la marque. À la pharmacie où je l'ai acheté, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de références, peut-être 2. Mais je crois que sur le site, il y a plus de choses. Je crois que sur le site, il y a les points de vente. C'est comme ça que j'ai su que ça se vendait dans la pharmacie à côté de chez moi. Et je crois que vous pouvez également commander sur le site. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Finalement je suis allée à la pharmacie parce qu'il y avait des frais de port, enfin bref, puis je le voulais assez vite, mais grosse déception parce que franchement j'aurais bien aimé que ce produit fonctionne, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà pour mes produits favoris et ce petit flop de ces 2 derniers mois. Je vous mets toutes les références sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je sors une vidéo tous les dimanches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.